Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'équipe Cofidis en 2021 et puis revenir un petit peu sur la saison 2020 de l'équipe Cofidis. On va démarrer tout de suite par cette saison 2020. Saison 2020 qui n'a pas été excellente pour l'équipe Cofidis, simplement 2 victoires. C'était la première étape de la Tropicale Anissa Bongo avec Attila Viviani et puis Anthony Perez qui avait remporté la première étape du Tour des Alpes. Après le confinement, ça a été très très compliqué. Août, septembre, octobre, rien, même pas de très grands résultats à se mettre sous la dent, parce que on aurait pu dire peu de victoires, mais des podiums sur des grandes courses. Bah même pas, en fait, du côté de la Cofidis, ça a été une année très très décevante, première année en World Tour pour la Cofidis, et ouais, on peut pas dire qu'ils aient vraiment montré qu'ils avaient passé un cap, c'est leur moins bonne saison depuis très très longtemps. Alors je sais bien qu'il y avait peu de rendez-vous, mais on pourrait comparer à la saison de 2013 avec simplement 8 victoires, et encore, il y avait des victoires dans des grandes courses, là même pas cette année. Il faut remonter, voilà, oui, à 2013-2012 où il y avait eu 8 et 6 victoires. Là, simplement 2 victoires, on ne peut pas se satisfaire de ça avec un Viviani qui n'a pas été au top. Et puis, toujours ce relationnel compliqué avec certains coureurs, Cédric Vasseur, qui a un relationnel qui peut être très très difficile. On l'avait déjà parlé avec Nasser Bouani ou même avec d'autres coureurs qui se sentaient pas forcément très appréciés du côté de la Cofidis. Ça a l'air de continuer un petit peu un relationnel vraiment compliqué. Bon, voilà. C'est une équipe qui n'a pas montré grand-chose. Il faut le dire l'année dernière, que ça soit en montagne. Heureusement, il y a eu Guillaume Martin sur le Tour de France. Si tu enlèves Guillaume Martin sur le Tour de France, l'année est encore un peu plus compliqué encore, mais au niveau du sprint, il n'y a vraiment rien eu, et au niveau des classiques belges également, par exemple avec un Julien Vermotte, ça a été le néant également de ce côté-là, donc année un petit peu compliquée. Pour la Cofidis, on va passer tout de suite au transfert, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire pour cette équipe, à part que ça a été une mauvaise année. Les victoires par année, juste pour vous dire que c'est la 19e équipe, du côté des victoires en 2020 du côté des équipes World Tour, il y a juste la Movistar qui a fait pareil qu'eux, mais qui a moins de top 3 que la Cofidis, donc c'est pour ça qu'ils se retrouvent un peu derrière au classement et qui surtout a fait moins de top 10. Donc voilà, ils finissent quand même devant la Movistar, mais ils sont à 3 victoires d'AG2R et à 18 victoires de Groupama. Donc ça fait un petit peu mal à la tête, tout ça. Du côté des transferts, beaucoup d'arrivées cette année quand même, et aussi beaucoup de départs. Du côté de Cofidis, pas mal de changements, arrivée de Jean-Pi Drucker, certainement pour aider Elia Viviani dans les sprints, et puis pourquoi pas également dans les courses pavées, parce que c'est un coureur qui n'est pas forcément mauvais dans le classique. On aura également Simon Guécheque, très bon puncher, très bon coureur pour des courses de type Liège-Bastogne-Liège ou autre, mais qui n'a pas fait de grands résultats ces dernières années du côté de la CCC. Yele Wallace également, on aura Ruben Fernandez, Tom Bolli, très bon coureur. Tom Bolli, lui, c'est vraiment un coureur très intéressant qui était chez UAE l'année dernière, très bon recrutement. Et puis Sismon Sagenoc de la CCC, Rémi Rochas de Nippo, pardon, André Carvalho et Thomas Champion, le dernier coureur qui est recruté. Tom Bolli, c'est quand même un coureur déjà des quelques bons résultats. Troisième d'une étape du Tour de Romandie, avait été troisième d'une étape du Tour de Larry Miller, du Tour de l'Utah. Cinquième du championnat de Suisse du contre-la-montre, mais c'est vrai que l'année dernière ça n'a pas été forcément très bon pour lui, mais il avait fait une saison 2019 un peu meilleure quand même. C'est vrai que 2020 a vraiment pas été incroyable. C'est un coureur qui est prometteur, je dirais, Tom Bolli, mais qui n'a pas encore montré l'entièreté de son potentiel. Coureur repéré par BMC à l'époque, qui permettait à beaucoup de coureurs suisses de montrer leur talent. On va passer aux coureurs qui sont partis du côté de la Cofidis. Alors on a Dimitri Claes qui rejoint le team Cubeca, l'ancien team Dimension Data,
et NTT. Dimitri Klesch chez Cofidis, il y a eu quelques bons résultats, mais ça a quand même été décevant. Julien Vermotte, alors là, ça a été une énorme déception du côté de la Cofidis parce qu'il n'y a pas eu grand-chose. Cyril Lemoine qui rejoint Airbnb Hôtel. Il était, je trouve, pas mal sous-utilisé, comme Damien Touzet qui rejoint AG2R, Mathias Letournier qui rejoint Delco, et puis Louis André-Lmaté qui rejoint Scatalus-Scati, était là depuis très très longtemps chez Cofidis. André-Lmaté, très bon capitaine de route. Jesper Hansen qui prend sa retraite. Voilà, et puis Stéphane Rossetto qui n'a pas de contrat pour l'année prochaine. Stéphane Rossetto, je trouve ça dommageable parce que c'est un très bon baroudeur et que Nippo par Delco par exemple aurait pu le prendre, d'autres équipes également, parce que je pense que c'est un très bon capitaine de route également. Et n'oublions pas Marco Matisse également qui n'a pas de contrat pour l'année prochaine, le coureur allemand, mais qui n'a pas montré grand chose depuis un titre en espoir. Marco Matisse, c'était du côté du contre-la-montre. Oui, voilà, en 2016, et championnat du monde U23. Sinon, depuis, c'est un petit peu le néant pour le coureur qui avait fait deux saisons également chez Katusha, sans grand résultat. Hein. Vraiment, c'est un coureur qui n'a pas montré grand-chose depuis son passage chez les professionnels. Donc, Julien Vermotte, l'année dernière, en 2020, il n'y a aucun résultat probant. Hein. Et en 2019, c'était déjà un peu le cas. Donc, c'est compliqué pour un coureur comme ça qui a quitté. Depuis qu'il a quitté Quickstep, c'est un coureur qui est un petit peu en difficulté chez Quickstep. Il avait eu des très très bons résultats. Depuis, c'est un petit peu plus compliqué. On va désormais voir un petit peu les coureurs que l'on attend avec impatience l'année prochaine du côté de chez Cofidis. Moi je commencerai déjà par Viviani, hein. C'est un coureur qu'on attend au tournant, vraiment une saison 2020 assez mauvaise. Et c'est pas comme si la saison 2019 avait été incroyable pour Elia Viviani, du mal dans le sprint, du mal à avoir des repères, surtout dans les sprints, à suivre son équipe. C'était vraiment ça, vraiment, qui m'a surpris du côté de Viviani, c'est qu'on l'a vu souvent perdre la roue de ses équipiers, perdre la roue de Simone Consoni, par exemple, qui a plutôt fait une saison intéressante, surtout sur le Giro. On le voyait tout le temps un petit peu en galère, ce qui fait qu'à la fin, dans son équipe, on lui faisait même plus confiance. J'attends également Guillaume Martin, bien entendu, voir s'il arrive à confirmer sa bonne saison 2020. On l'attend au top après un bon Dauphiné, un Tour de France qui il a subi une chute assez importante sur le Tour de France qui lui a coûté pas mal de positions, mais il avait fait un bon Tour de France, donc un bon début de Tour de France, donc on l'attend également au top. Pour lui, il y a des choses très intéressantes également. Yele Wallace aussi, qui est un coureur qui est capable de remporter des belles courses comme le Paris Tour, comme à travers les Flandres, mais qui depuis deux ans n'a pas fait grand chose, on va dire. Yele Wallace à la Lotto, qui avait été un petit peu une déception assez récurrente du côté de la Lotto, qui a quand même déjà 31 ans. Je viens de voir ça, donc c'est quand même un âge plutôt déjà avancé quand même du côté du cyclisme, donc il va falloir en claquer maintenant des courses pour Yele Wallace. Mais c'est un petit peu une déception, un espoir qui n'a jamais vraiment performé, donc on espère qu'il arrivera à s'en sortir du côté de chez Cofidis, à se relancer du côté de chez Cofidis, comme Simon Geschke, qui à lui a déjà 34 ans, qui sera avec une équipe où il y a déjà un bon puncher, que Nathan Haas. On verra s'il arrivera à bien s'en sortir. N'oublions pas les frères Errada également, Rezus et Rosé Errada, qui n'ont pas forcément été au top sur la Volta. Et puis il y a des jeunes, hein, Victor Laffey, Emmanuel Morin, qui a pas été mauvais, hein, sur la Volta du côté des sprints. Emmanuel Morin, Thomas Champion, 21 ans, André Carvalho, 23 ans, 24 ans pour Fernando Barcello, 19 pour Hugo Toumir. Il y a des très très bons jeunes qui arrivent dans cette équipe. On verra s'ils arrivent à bien s'intégrer à la formation. De toute façon, c'est une formation qui a une moyenne d'âge assez faible, hein, Cofidis, avec peu de coureurs qui ont plus de 30 ans. Par contre, ceux qui ont plus de 30 ans, ils ont souvent 34, 33. N'oublions pas également Nicolas Hédé, qui n'a pas été mauvais non plus. Mais voilà, il en a manqué du côté de chez Cofidis, avec la malchance aussi parfois, comme sur le Tour de France.
avec Anthony Pérez qui aurait pu prendre le maillot à poids puis qui rentre dans la voiture de son directeur sportif. Donc il y a eu plein de choses qui n'ont pas fonctionné du côté de Cofidis et on espère que ça ira mieux l'année prochaine. Il faudra que ça aille mieux de toute manière dans cette équipe française si elle veut rester en World Tour. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quel coureur vous allez suivre l'année prochaine du côté de chez Cofidis, quel coureur vous attendez du côté de la Cofidis, et puis n'hésitez pas à me dire si j'étais trop méchant, pas assez méchant, à réagir. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à mettre la petite cloche, et nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.